Les enfants auront envie, avec votre film, d'adopter des pingouins. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, le manchot empereur, lui, il a bien sa température, on appelle ça sa température de base, où il est confortable, il n'a ni trop chaud ni trop froid, c'est moins 20. Donc ça veut dire qu'il faudrait habiter dans un grand congélateur chez vous pour qu'il soit à l'aise. Sinon, il aura vite trop chaud. Après, c'est un animal, comme vous l'avez vu, qui est un animal océanique. Donc, il n'y a rien qu'il aime autant que nager et nager profond. C'est un deuxième point. Et le troisième point, c'est que c'est un animal qui mange du poisson, des poissons très particuliers, qui vivent en Antarctique et seulement en Antarctique. Et ça va vous faire cher d'envoyer des bateaux pour aller pêcher jusqu'à là-bas. Et le quatrième point, c'est que les animaux sauvages sont tellement beaux dans leur milieu naturel que je ne crois pas que ça soit bon. Merci pour votre réponse. Ça va aider. Vous aurez des arguments comme ça.